Ce matin, on prend le petit déjeuner gratuit qui est inclus. On arrive, il n'y avait rien du tout qui était posé. Avec Damien, on se disait, mais on va se faire un buffet et tout, comme ça, on tient jusqu'à 15h, on mange pas. On arrive, en fait, c'est un mec qui filtre ce qu'on prend et il nous a donné deux gaufres. Donc, bon, je pense que dans 2 heures, on mange. Damien, il a fait griller ses gaufres. Griller, non. Cuir, mais il y en a une qui, je sais pas si c'est passé. C'est pas bon, c'est mangeable, je la reconnais. J'espère que Manine ne te fait pas parier, sinon je rigole moins. Là, ça a sauté. Non. Elle a détruit. Il a dit, elle s'est détruite toute seule quand il a sauté. Ah, mais tiens, mais prends ce verre de jus d'orange. De jus de pomme. L'autre, il est presque vide, c'est le mien. Ah, bah non. T'as déjà vu début, ouais. Yes, j'ai gagné un verre de jus d'orange. Mais tu l'as vu d'ailleurs. Là, là-bas. Bon, mon téléphone il est en train de charger. 11h30, on est toujours dans la chambre. On sait pas ce qu'on va faire. Bon, si on sait ce qu'on va faire, Damien vient de me le dire. On va faire la mais de base, on savait pas ce qu'on allait faire. French Quarter, et il y a plein de trucs à faire. Et demain, on va essayer de faire les bayous quand même. C'est voilà, gratuit. Apparemment, Damien est le guide du voyage, donc il a déjà tout prévu. Je n'ai pas bon. Bah, il faut bien remplacer Matou. Voilà. Ah, il a pris mon pull qui est rempli de pluie, qui pue la mort parce que. Et elle a pris la veste qui traîne dans les aéroports, qui est frottée partout dans tous les sens, par tout le monde dans les métros, qui est dégueulasse. C'est parti dans la bonne humeur. Là, je pense qu'il y a le Covid, la grippe. C'est bon, stop. Virus, ça... Bon, il pleut. Voilà, ça y est. Génial. La tempête commence. Ouais. Du coup, ben. Ah, moi, j'ai rien. Qui va super bien avec du vert et du noir, bien mais sûr. Mais oui, c'est. Hey, t'es au mais il veut pas remonter, moi je vais mettre mon chapeau d'aventure. Non, mais je vais chercher mon chapeau d'aventure. Cher. Allez, je vais chercher mon chapeau d'aventure. Merci. Bye. Bon, on y retourne. C'est toi, j'ai mon chapeau d'aventurière. Tadam, c'est parti. Bon, c'est parti sous la pluie, la Nouvelle-Orléans. C'était plus joli hier quand il faisait beau, mais bon, c'est pas grave. On est bien équipé pour la pluie. Let's go! Faut s'habituer au nord. Faut s'habituer au quoi? Au nord. On retourne au nord. Au nord. Bon, là on retourne dans le French Quarter, dans le Bourbon Street. Ah, j'ai pas une paille mouillée par la voiture, c'est pas fermé aujourd'hui, c'est bon à savoir. J'allais aller au milieu de la route comme si c'était fermé comme hier. Pour filmer. L'ambiance est différente d'hier. C'est pas pareil. En plus il pleut, il y a personne. Hello! Et du coup, on va direction la French Quarter. Le quartier français. Le quartier français pour les mamans qui ne parlent pas anglais. Par contre, il y a toujours la musique. Lui, il est déguisé en Dark Vador, il a la musique à fond. Et t'as vu, c'est marrant comme c'est pas comme hier. Hein. Ouais, ce soir je pense. De journée, ouais, on reviendra ce soir faire un tour. Allez, let's go. Ah, il fait peur avec son masque. Il fait peur avec son masque. On repasse devant ça. C'est plus joli des jours, on voit mieux les statues. Ah, on va en rentrer. C'est quoi? Asian Park. Ah. Les petits oiseaux. Ah bah il est parti. Il vivait dans la fontaine. Il y a un café béni. Il y a rien là-dedans? Je vais peut-être prendre un béni. Bah non. Bah non. Vas-y, redis-le. On mange pas jusqu'à 16h. Bon, moi je prends pas de béni tout de suite du coup. Au final, je prendrai plus tard. Il est midi je pense, mais... On va attendre un peu. Ouais. Là, au lieu de continuer tout droit, on a tourné à droite. Donc on a les décors qui sont un peu différents. Je sais pas où c'est la French Street encore, je pense pas qu'on y soit. Bon, apparemment, là, c'est la Royal Street. Là, il y a des super colliers crocodiles. Et il y a des petits bonhommes qui font la musique. On va pas aller voir dedans. Mais voilà. En face, il y a la Cour suprême de la Louisiane. Damien va aller voir dedans apparemment.
Bon, au final, il n'y aura pas de cours suprême. On continue de marcher dans la rue. Tu pensais que Café Béni, c'était une enseigne? Bah peut-être, je sais pas, faudrait que je me renseigne. Mais il y en a encore un là. Et là, il y a la boutique de Daddy. Qui a plein de bagues apparemment. Petit monsieur, c'est pas Daddy ça. Une galerie d'art avec des super beaux tableaux. Enfin, celui-là, je n'aime pas trop, mais... Et welcome to the new... Et bah merci à toi. La dernière fois qu'on est rentré dans un... Dans un quoi? Qu'on est rentré dans un truc d'art comme ça, la dame elle nous a parlé. En plus, on était restés que avec Damien. Elle voulait déjà, moi qui ne sais pas parler à mon anglais, elle voulait nous vendre un tableau à 25 000. Ouais, moi, elle voulait que... Elle me dit, mais c'est quoi ton tableau préféré? Je lui dis, bah celui-là, j'aime bien. Elle m'a dit, mais tu veux l'acheter et tout? Je dis, bah non, mais j'ai qu'une valise de 23 kilos. Ouais. Et après, vous voulez l'envoyer par la poste. No worries, you can't send you. Et du coup, on n'avait pas envie de rentrer dans celle-là, on avait peur de se faire écouter encore. Mais là, on va aller là, ça a l'air mignon. Oh non, regardez, ils ont fait une carte postale et ils disent pronounce beignet. Pour le dire correctement, beignet. Voilà, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il dit? Non, rien, vas-y. Ça, c'est trop mignon. Je filme mon corps. Oh non, ça j'adore. Regarde, c'est un croco qui fait de la compagnie. Des bonbons, des t-shirts. Du Gembo. Tu vois, c'est ça du Gembo, je t'ai dit. Ah, j'ai fait du Gembo. Ouais, au pire. Ça, on mange ça ce soir. Non, ce soir, c'est nous. Pas dit, tu manges ça ce soir ou tu manges ça demain. Encore de la viande de l'alligator. Ouais, non, ouais, c'est grave. C'est pas possible de parler tout le temps d'aquarium comme Nausicaa. Ouais, bon, j'avais envie de manger un truc, alors j'ai pris une lollipop à la pina colada. Il faut que je l'ouvre. C'est longtemps que je n'ai pas mangé. Elle est un peu trop douce et elle est pas très bonne. Ah ouais, lequel? C'est que l'autre. Un petit peu, ouais. Ah, celle-là avec les couleurs arlequin. Qu'est-ce que tu penses de ma casquette? Non, c'est moche. Ça fait un coup de. Il n'y a pas de. Je pense que je vais pas te prendre. Du chocolat. On dirait FR. Hein? Un panda. Et un chien. Et un monsieur sur un bateau. Je crois qu'on a trouvé la French Street où tout le monde prend des photos. C'est tout là-bas! Enfin, le French Quarter. Du coup, on y va. Là, on arrive chez Estelle. Hello Estelle. Coucou Stellou, ça va? Quoi? C'est Estelle? Non. Ah, bon, elle va pas consommer. Et voilà. On est arrivé au point où tout le monde prend des photos. Enfin, tous les gens de notre programme qui sont partis, ils prennent une photo là-devant. Donc je vais prendre une photo devant moi aussi. Je crois qu'on arrive à la cathédrale. Ça glisse un peu. On arrive à la cathédrale.
Oh là là, c'est plié. Il faut qu'on aille voir là-bas, il y a la grosse statue. La pluie est intense, la pluie nous trempe. Nous sommes complètement mouillés. Et voici le cheval avec le monsieur et son chapeau. C'est qui? C'est Napoléon Bonaparte. Non, Napoléon, bien. Il est quoi? Non, je sais pas, on va faire le tour. Du coup, on a regardé sur internet. Là, c'est la Jackson Square. Donc on voit avec la cathédrale derrière comme ça. Et le monsieur au milieu, c'est Jackson. Bon, il faut qu'on regarde plus, mais ça bug avec l'eau. Avec la pluie. De plus en plus. Donc voilà. On remonte les marches. On sait pas ce qu'il y a après. Je crois que c'est pas le lac. Enfin le... Ah oui, il y a de l'eau. Ouais. En effet, il y a même un pont. Et un parking. Mais c'est incroyable. Ouais, enfin, c'est chaud. Ah, il y a le bateau, oui. Donc là, on est dans un port et je crois que le port s'appelle le Moulwalk. Tu veux prendre une douche? Tu veux te baigner? Non, merci, ça va. C'est pas le de Tahiti, hein. Mais j'aime bien, quand même. J'ai envie d'aller voir les bateaux là-bas. Faut qu'on mette un cadenas. Les meilleurs amis du road trip, il en reste que deux de toute façon. Ah. Les meilleurs amis du road trip, c'est parce qu'il reste que toi et moi. Mais quand même, on est amis. Et le bateau. Bon, il pleut de plus en plus. Mon pantalon, il est trempé. On dirait que je me suis jetée dans l'eau. Là, on a vu qu'il y avait un food court, donc un truc avec plein de trucs à manger. Donc on va aller faire un tour, je pense. Comme il prend un prospectus pour café beignet. Yam! Mais pourquoi tu me fermes la porte? Ouh là là! Dis donc, il y a du monde, hein. Alors, on s'est posé un peu pour éviter la pluie, mais il fait toujours autant, il fait froid. Là, c'est dur d'être appliqué. On va voir... Hein? On va voir le French Quarter. On a fait un peu le plan de ce qu'on veut faire et en premier on va voir ça. Oh non, c'est trop mignon ici. Halloween. Bon, là, on cherche le French Market désespérément. C'est ça? Tu m'as dit que c'était à l'intérieur. Bah... Bon bah du coup on est au French Market. Tadam. Là au milieu il y a la statue de Jeanne d'Arc. Pour avoir des crocodiles. C'est pourtant que j'ai été dans le bayou. C'est la fête tout le temps ici, en fait. Bon, en fait, il est trop bizarre le restaurant. Donc bon, on l'aura vu et on va aller en face parce qu'il y a de la musique et c'est plus amusant. Je vais essayer de t'aimer pas le crâner. Voilà. Thank you.
Damien aime bien. C'est validé. Et je crois qu'il y a du riz dedans. Il y a du riz, il y a de la sausage, il y a du bouillon et tout. Et il y a un truc bizarre. Je sais pas ce que c'est ça. Il y a des. On dirait. Il y a des crevettes aussi, je crois. Yum. D'ailleurs, il est quelle heure là? 16h. Pas du tout, pas du tout, ne ment pas à la communauté. Il est 14h30 et on mange. Alors, Damien, il a dit n'importe quoi. C'était pas le French Market là-bas, le French Market, il est là. Pumpkin. Pumpkin. Donc là, on est vraiment French Market. Au French Market. Ça y ressemble le pied. D'amener des informations bancales. Ouais, c'est nuit. Hello. Donc là, on est arrivé à un endroit où c'est... tu sais, maman, le 12 Years a Slave, et ils disent sur le panneau qu'en fait, à l'endroit qu'ils mentionnent, en fait, c'est ici où Solomon Northup, il a été vendu en tant qu'esclave. Et j'ai l'impression que c'est ici parce qu'ils disent que c'est entre l'Esplanade, Chartres et Kerlerec. Et on a regardé sur internet que c'était ici, enfin que toutes ces rues sont autour. Voilà, c'est fou. Bon, du coup, on s'est un peu perdu. Enfin, Damien, il a été attiré par les couleurs. Et du coup, ben, on est tombé sur les Frenchmen. Hein? T'as dit quoi? Ah, d'accord. Il me dit des choses gentilles. on est arrivé au Frenchman Street. C'est super, on voulait le faire en plus, mais je pensais pas qu'on allait y passer. Donc voilà. Il pleut toujours autant. Ah, mais ici, c'est le truc où je voulais aller ce soir. Oups. Bon, bah on verra si on revient ici. Il y a plein de maisons colorées. Qu'est-ce que t'en penses, Damien? Je vais mouiller, j'ai froid. C'est mouillé. J'ai faim. Non, j'ai pas faim. Une quoi? Ah ouais. Mimi. Il y a beaucoup de maisons colorées. Ah, c'est la joie. Bon, du coup, après réflexion, on va aller au Mardi Gras World, ouais, le musée du Mardi Gras. Et Damien dit oh, c'est génial, c'est à 15 minutes. C'est à 15 minutes en voiture. Du coup, 50 minutes à pied. On a pris un Uber, il arrive dans 9 minutes. Et on a pris un Uber Green parce que c'était 7 centimes moins cher et il n'y a pas de petites économies. Et du coup, on va y aller. On est dans une petite Tesla. La dame, elle nous surpêche. Ça fait du bien. Quand je pense qu'on a mis 30 minutes à faire tout ça. Ça chauffe, hein? On a mis 2 minutes. Ça chauffe, doucement, doucement. Ah ouais, tout à fait. Mardi Gras. Hein? Bien? On est prêts? Pour les chars. Let's go! Pour les chars de Mardi Gras. Oh, un chien vivant! Ah non, c'est une vache! Oups! Donc, on a regardé un petit film, la dame nous a dit. Elle nous a dit, ouais, le Mardi Gras c'est pour 20 jours, ça dure 2 semaines, blablabla. Parade dure pendant 2 heures et tout, et c'est au début de en janvier jusqu'à février. Et vas-y, passe en vrai. Bleu, purple, purple, yes. Are you fine? Thank you. I would like the purple too, please. In line behind your brother, purple, yes. Thank you. Nice little piece. They cut them so small.
Thank you. Thank you. Elle est trop gentille, elle m'a dit je vais te donner une grosse part. Parce que t'es trop belle. Non, elle a pas dit ça. Et du coup, elle nous a dit. Elle nous a dit. En fait, Tammy, elle a pas compris, donc je vais lui faire la traduction aussi. Mais elle nous a dit. Bah vas-y, elle a dit quoi pour le gâteau? Ouais, c'est ça. Elle a dit en fait, traditionnellement, ils mangent ça. Et genre, bah du coup, c'est un gros truc. Ils le font pour. Ils partagent à plusieurs personnes et tout. Et en fait, à l'intérieur, il y a un petit bébé. Il y a un petit bébé. Et en fait, c'est comme la fève, quoi, pour nous. Genre, celui qui a le petit bébé, bon, il a une couronne en papier, exactement comme nous. Ah, mais oui. Du coup, apparemment, il y en a une dedans. Et voilà. Du coup, et c'est au cinnamon. Oh, c'est ça, là. Vous voyez ? C'est le déluge là aussi. Avec Damien on se dit. Ah mais c'est tout lui. Avec Damien on se dit, on va aller là comme ça, on va être couvert. On va être en non. Ça c'est un produit qu'ils vont faire en 2024 pour la parade de 2024. C'est la route, c'est le bus. Ah ouais. C'est la route. Oh, les hamburgers géants. Putain, elle a dit qu'il y avait 64 personnes qui montaient là-dessus. Combien? 64. Et regardez qui j'ai trouvé! Là, c'est la machine où ils gravent tous les trucs, enfin, où ils font les formes en fait. Et elle marche pas à cause de la pluie aujourd'hui. Ça, c'est la sculpture Papa et Annel. Surprise! Oh, je fais peur. Oh. Après la passion cirque et la passion aquarium, Damien et passion miss. Bah montre, c'est intéressant. C'est pas intéressant. Non, sur la carte. C'était là. C'est ici qu'ils ont élu Miss Univers de quelle année? De cette année. Waouh! Mais c'est incroyable! Là, on attend la navette. La dame nous a dit il y a une navette gratuite pour rentrer. Bien sûr, on va pas prendre la navette gratuite. Je sais pas si on a le droit, mais on y va. Le transport gratuit! Merci bien à vous, messieurs! Hello! The bill tickets. Ah, c'est ça. Thank you. Bon, le shuttle il nous a déposé. On sait pas où. Enfin, si on est un peu loin de l'hôtel, on va marcher du coup maintenant. Mais qu'est-ce qu'il fait? On va où? On va là? À côté du train? La drama queen a froid. Oui. Oui. Il l'a déjà. Oui. Comme d'hab. Petite nuit pour vous ça. Et on est sur une fin de journée. On est rentré à 19h. On a fait sieste jusqu'à 20h30.
qui a duré jusqu'à 22h. Et du coup, les bars étaient... Enfin, les shows musicaux dans les bars étaient un peu fermés. Puis on avait un peu la flemme. Du coup, on est parti sur une sieste géante. Et on fera mieux demain. On va se lever tôt. Damien, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce que je fais non plus. On n'a pas encore décidé. Mais on verra. Coucou. Oh. Tu dis au revoir. Bye. Bye.